T'étais déjà venu? À la casse? Non. J'ai juste vu le panneau en arrivant. Tu voudrais pas qu'on rejoigne la grande route? C'est pas la grande route? Non, on est sur le terrain des Hackettes. La grande route est à 2 km, par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout? Oh, ta gueule! Alors, on doit marcher encore 1 heure jusqu'à la route, et il nous restera au moins 3 ou 4 heures avant d'arriver au premier... je sais pas quoi. Ouais. C'était quoi, ça? Faut continuer. Ok. Alors, Ryan et Laura, hein? Putain... Est-ce que tu penses qu'il se passe un truc là-bas? Ouais, il y avait des étincelles entre eux. Ouais, je sais, mais j'aurais pas su dire si c'était de la colère ou bien de la drague. C'était de la drague, très clairement. Mais elle a pas dit qu'elle avait un copain? Ouais, mais c'est Ryan. On s'en fout un peu. Maintenant qu'il est parti pour une grande aventure avec la mystérieuse Laura, comment tu veux lutter? On s'est bien rapprochés autour du feu, lui et moi. Je me fais des idées où il aurait pu se passer un truc. On verra l'année prochaine. Ouais, faudrait d'abord survivre celle-là. Ça changerait rien de toute façon. On a enfin trouvé ce qui plaît à Ryan. Les héroïnes, sûr d'elle, avec un cache-œil. Les pirates. Peut-être qu'il va tenter un abordage. Là. Oh, mais... Du calme, c'est un détecteur. On est bon. Enfin, je crois. Regarde, du vrai steampunk. Allez, par là. On fait quoi maintenant? Bah... je sais pas, on peut... se mettre à l'aise. Se préparer des cocktails, regarder la télé... non? Pourquoi t'es toujours aussi... positive? Pourquoi tu me poses toujours cette question? Je t'ai interrogée sur ta confiance en toi, pas sur ce que t'essaies de faire là. J'en sais rien, je crois que... j'aime pas trop voir les gens tristes. Oh, arrête, quoi? C'est vraiment ce que tu penses de tes followers? Que c'est qu'un tas de pauvres types qui ont besoin de toi pour les distraire? Wow. Attaque-moi, mais pas touche à mes followers. Ma émanation. Faut vraiment que tu trouves un meilleur nom que ça. Oh putain, tellement. Bon. Quelle nuit de merde, hein? Ouais. Vas-y, je veux t'entendre le dire. Quelle nuit de merde, une nuit de sa mère ma pute. Lâchez-moi! Doucement, maman. Lâchez-moi, vieille sorcière! Je vais exploser la cervelle! Ah! Traînez! Que tout le monde se calme. Pas facile de tirer à l'aveugle. Thank you.
Je l'ai. Tu vas payer pour ce que t'as fait à Makaylee. Lâchez-moi tout de suite. Arrêtez tous! Constance... Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Réveille-toi. Allez. Chérie, allez. Debout. Debout. Allez. Oh. C'est fini. Mon petit Bobby. Maman est morte. Tu ne protégeras plus personne, Travis. Ok, j'aime pas ça.
Merde. Je suis là, j'attends. Terminé. Pas dans ma propre baraque, enfoiré! C'est toi, l'enfoiré. Il y a des ours dans le coin. On a fini de jouer maintenant, ma petite. C'est toujours enfoiré. Tu sais, ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. Mais tu peux me croire, je peux toujours te faire souffrir.
Ça va être tout sauf agréable pour toi, je peux croire sur parole. Allez, quoi? C'est mon couteau. Oh, pitié, pitié. Personne prend mon couteau. Tu m'as planté. Tu pisses le sang comme un cubi. Oh, pitié, tu peux m'aider. Non, tu te vides de ton sang. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est t'achever pour être gentil. Oh, oh. Oh non, t'es mordu! Choisis un adversaire à ta taille. Travis! Nora? Oh, oh, doucement. Doucement. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh. Oh, tu sais, la routine habituelle. Oh, oh. Ryan! Oh. Oh. C'est grave. Je suis désolée. Si grave que ça. J'arrête pas d'essayer de régler ce merdier, mais il y a toujours d'autres victimes. D'abord Max et maintenant toi. C'est pas de ta faute. Rien m'obligeait à venir. J'aurais pas dû te laisser me suivre. Je crois pas que tu sois ma mère. Non. Désolé. Je vais mourir. T'as perdu beaucoup de sang. Mais ça va guérir, hein. Oui. Quoi? Ryan, si tu me laisses te mordre... Quoi? Si tu me laisses te mordre, ça veut dire que tu seras infecté. Et là, ça guérira. Ouais. Mais d'un autre côté... Ouais, je sais, le grand méchant loup. Ryan, j'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, ça lutte pour sortir.
Si je te mords et que tu guéris, alors... Je devrais tuer Chris. Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou. Tu le ferais pour sauver ta peau. Et la mienne, et celle de Max, et de tes potes. Je te laisse me mordre. Et je vais tuer Chris à Kate. Ou je me vide de mon sang. En gros, ouais. T'as le choix, pour l'instant. Alors, on y va ou pas ? Vas-y. D'accord. J'ai la viande bien tendre. Ok. Tu devrais commencer à te sentir mieux. Bientôt, je pense. Merde. Il faut qu'on parte. Allez. Je te tiens. Ne jette jamais rien, hein. Bon, est-ce que tu pourrais peut-être au moins me dire ce qu'on cherche exactement ? Bah, on dirait que la plupart de ces caisses ont déjà été démontées. C'est juste des carcasses vides et ça, vous êtes pas tellement. Ok, alors on cherche des... moteurs ? N'importe quoi qui serait intact. Compris. Finir dans un documentaire. Mais non. Allez, ta gueule, viens.
Ces gros fils de pute avaient tout prévu. C'est qui? On dirait bien qu'il trafiquait un peu les registres. Ça pue. Tu l'as dit. Quoi ça? Arum Scarum. T'as vu ça, Kathleen? Thank you.
Là. Alors, t'as déjà conduit une grue, toi ? En fait, j'étais plutôt très doué au jeu des pinces de la salle d'arcade du coin. Les autres m'avaient surnommé la pince. Non, non, c'est non. Oh, je viens de comprendre. Tiens, et si t'allais voir si tu peux la descendre, qu'on jette un œil sous le capot ? Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, tu me protèges, hein ? Ouais. Ok, d'accord. On dirait que quelqu'un a oublié d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre. Ok, voyons voir comment ça marche. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est le retour de la pince. Mais qu'est-ce qui se passe ? Désolé. Oh, merde. Ok. Allez. On va tenter. J'ai trouvé ma vocation. Bah, il était temps. Bon. C'est cool. Dylan, merci. Tu m'as sauvé la vie. Vraiment. Oh, tu sais, c'est rien. Mais j'ai hâte de savoir qui y choisiront. Quoi ? Pour jouer mon rôle. Dans le film. Sur mon courage héroïque. On se calme. Ok.
Bon. Notre plan de fuite est à la poubelle. Allez, on fait demi-tour. T'es dingue ? C'est toujours mieux que de rester ici. Allez. On peut pas rester là. Pourquoi ? Dylan dit que ça va. Ouais, mais j'ai pas envie de poireauter là. Mais c'est littéralement tout ce qu'on a à faire, juste attendre le matin, non ? Bon. Bon, il nous faut une arme. Va regarder ce qu'on peut trouver. C'est toujours mieux que d'attendre sans rien faire. On dirait qu'on a retiré un des fusibles. D'où l'absence de courant. Pourquoi quelqu'un ferait ça ? Qu'est-ce que c'est ? Des balles d'argent. Comment elles sont arrivées là ? Le chasseur a dû les perdre. Il a dû monter par là pour attaquer Kathleen. Ces enfoirés sont partout. T'as trouvé quoi ? Oh, je... Regardez juste l'échelle. Est-ce que... C'est une toute petite trappe, là-haut ? Oui. Eh ben, ouvre-la ! Pourquoi ? On sait pas ce qu'il y a là-haut ? Exact. T'as un peu suivi ce qui se passe, ou pas du tout ? Ok, ce que je veux dire, c'est... que ça peut être bien pour nous d'avoir une issue. Tu vois, on sait pas ce qui se passe dans le chalet, et on pourrait peut-être aussi trouver de quoi se défendre. Ok. Ouais, t'as peut-être pas tort. Tout va bien ? Oh merde, ouais. Okay. Ouais, c'était chaud. Thank you.
Bon, ils sont pas prêts d'arriver jusqu'ici. Merde, c'est carrément immense. Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous? Arrête. Tu sens ça? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre, de rejoindre Chris Hackett. Ou juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. Ok.